Bonjour Vianel Wené, bonjour Gaïez Essel, bonjour Christelle Saint-Georges et bonne fête Christelle Saint-Georges. Que je vous souhaite très meilleur pour vous. Je souhaite vous santé, prospérité, de la réalité. N'a tout profité et souhaite bonne fête tout avec Samuel et Lismé, les mêmes qui toujours coûtent Radio Caraïbe FM dans Miami. Comment ça y est pour toi, Axel, connecté avec Petro Villot? Matin, toi, Axel, connecté avec Petro Villot, levé 12/8 pour matin. Soit sorti Pétionville par Boudon, on est capable de descendre sans problème pour matin. On va pas passer par Boudon, on descendre jusqu'à Portail-Léougane, où des plusieurs petits bus, ils ont même commencé à charger pour remonter Delma, Clercine, bon repos sans problème pour matin. Matin, soit sorti Pétionville par Canapé Vert, on va descendre sans problème pour matin. On va passer de Ventimaco MES Auto Design, on va descendre mon Canapé Vert sans problème. Matin, maintenant qui sec, coupé. Et la police canapé vert toujours mobilisée pour accompagner la population. Matéan, on va arriver juste pour aller au Gan, sans problème pour Matéan, par Pétionville. Matéan, je suis sur Pétionville, par Delma. On va capable de descendre sans problème pour Matéan. Pétionville, Delma 48, Delma 32, car foyer au pas côté de Gapela. Côté plusieurs petits caïbles à charger pour aller post-machin. On va descendre juste par Delma pour Matéan. Matéan, tout businessman, tout employé qui parle dans Delma. Tout le monde qui parle dans Canez Construction, Toyota, Valerio Canez, on qui parle dans Dispofa, on qui parle dans PNC, on qui parle dans Pompe Total, là, on qui parle dans Mazda, on qui parle dans Pompe National, là, ou bien sur là, depuis une fin coûte Mackinson Rémi, nous mettons des scènes pour matin, sans problème pour matin. Matin, bas Delma, levé normal. Nous seulement à demander Mairie Delma, zone Delma 6, situation pas bon, même à cause Fatra Ramblay. Qui n'a rentré Delma 6 là, donc nous demandons pour la mairie à lever pour nous. Alors que tes poubelles qui devant Canez Construction, tes poubelles ça y est, plein la bouche, c'est seulement ça nous remarque dans Delma. Mais pour matin, Delma levé normal. Alors que plusieurs machines à charger, Cafro Aviation, machines ça au cap pour monter Delma, parce que zone La Saline, zone Marché Chabon, zone Marché Joyo, donc ces machines yo même, ont commencé à mettre à terre sans problème pour matin. Matéan, comment ça y est pour moun qui a sorti dans l'entrée non capitale là? Matéan, moun qui a sorti et qui a fou canaran. Eh bien, moun qui a sorti et canaran 50, 70. Et yo même, y'a capable de passer sur F là, sans problème pour matéan. Mais, moi, toujours dit ça. Depuis nous fin quitter pour Titiya, toujours veiller côté n'a metten. Parce que c'est juste, après pour Titiya, donc attention, il monte, il descend, l'elle donc, faut toujours, toujours veiller. Donc, matin, et situation pas trop mal. Ces machines commencent à passer ce problème pour matin. Matin, machine qui a sorti au Naville. De même tout, il y a passé ce problème pour matin. Sur route nationale numéro 1. La route nationale numéro 1 qui est encore crasée. Et toujours après de leur travail TPDC. Passer maintenant en route ça pour nous taper sous plainte. Donc, là, on va entrer dans Germain. Donc, dans l'entrée et clinique Donatien. Donc, situation encore difficile. Alors, ce qu'on va quitter ce problème pour matin. On va passer zone 3 mais devant parc industriel là, ce n'a plus plusieurs agents de sécurité, ils ont commencé à mobiliser pour accompagner les employés pour chercher la ville. Matin, c'est un problème pour matin, sous notre directeur Benadel. Matin, rentrer sud capitale là, comme ça y est. Bonne matin, nous commençons à remarquer machine Gabsoti, Eleogan, Tafou, Mariani, Fatamara, Bodlo, ils ont tous commencé à passer Matissan, même si c'est avec un pile que tu as passé matin. Le matin, le matissant, nous pas attendre un cartouche qui a tiré, ni caoutchouc à bouler. Ça veut dire, soit sorti n'importe où, prince, pour aller dans le sud capitale à Nazedas, pour capable passer pour matin. Mais toujours, toujours veiller côté Wapmel Pion, toujours prudent dans la zone ça. Alors que tout bus de qui est studio, bus climatisé, cargo, ils ont tous déjà quitté la station de qui décide là, ils ont même pour aller dans le sud de moi, même Jacques Tiamélie qui a chargé dans le pavé, pour côté deux bus climatisés de qui décide. Maintenant, on a demandé TPTC, tant pis, s'il vous plaît, route bâtisseur, rentrer sud capitale là même. L'important pour nous éviter ralentissement, passer, mais en pile côté crasé, qui est un monde vulnérable dans une salle à passer, ils ont obligé ralentir. Situation pas bon même dans la zone 5e, zone 3e avenue, zone petit poste là, donc zone bon l'église Bernadette là, faut nous passer mais dans la zone ça. Surtout les lapis tombés, situation dégénérée. Comment ça y est? Pour moi, je suis en walking scoff. Il y a des descendre sans problème pour matin. Il y a des descendre fait mat, la boule, c'est-à-dire pèlerin 5.
devant Kaïk, ancien président Jovenel Moïse, nous toujours dit reste NPS à ancien président, nous passons droit, nous allons aller zone marché tête bleue, nous petit marché nous commencer à mettre à tes semblables pour matin. Avec ma chère Kokoye, ma chère Télélé, si ma chère nous, yon même tout, yon commence à mettre à terre, matin, la Petionville, le soir, quitter zone ma chère colonie, pour descendre directement zone Carrefour Academy, ou après, pas briver sans problème pour matin, même j'ai avec mon gars, sur zone Carrefour Academy, zone la compassion, entreprise finir, yon arrive directement par peigner, yon même, et yon capable de faire sans problème pour matin, sur zone Carrefour Academy, pour aller torsel, eh bien, faut toujours veiller dans zone ça. On fait noir couloc, nous m'a dit EDH, tout ça pour pas diminuer le matin bonheur. Tout la qui crase, ça cause, mon cap fait des zones ça bonheur le matin, on t'y crase vulnérable. Le matin, ça va empêcher cette camionnette qui a même commencé à charger dans le Carrefour Academy pour aller Carrefour Fleuriot. Matin, de Carrefour Fleuriot à Carrefour Marassa, attention, levé 12 par 8 pour matin. Mais de Carrefour Marassa pour matin, accent trop, pour qu'on pas passer ce problème, même si tout là, on t'y casse ni ou mi pas. TPTC toujours accompagner Mounio, même j'ai avec faire. Font entretien routier, vérifier routier, mes amis. Ah, si vous êtes capable d'améliorer la circulation, matin, soir, sur Tika, Fumaransa, pour voir le cas de bouquet, si ma chaîne qui parle mal, passe, si madame Saramio, toujours, veillez côté n'a mettre dans le cas de bouquet, parce que les 400 marozo, yo, yo toujours là, même si directeur pour le salut même, il déploie de temps en temps. Mais ça n'a pas empêché, il y a toujours pas été la main. Donc, maintenant, comme ça y est, sur ce petit cafou, j'ai la bataille. Sur ce petit cafou, j'ai la bataille, maintenant, on va passer au Maïgaté sans problème, mon matériel, devant le ministère de la République à la population. On va arriver, bon, trois mains. Bon, trois mains, on va passer directement dans une piste. Et dans cette piste-là, on va porter devant le complexe médical. C'est là où on va sortir. Bon, basi moyo, alors que nous avons mis un cafou, j'ai la bataille, plein de la police-là, toujours là. Pour accompagner la population, de savoir empêcher plusieurs de maçon, yo même tap sorti Delma 2, matin, après réuni, pour aller dans maçon. Même j'ai en pile là dedans qui était Delma 2, qui Delma 32, yo tout levé bon dans matin, pour aller 20 journées, maintenant, moi, de mon Delma 6, la situation a commencé, pas plus mal. Nous avons commencé à retourner timidement la caillou, mais faut nous veiller côté de la bien. Pas oublier, numéro de la police, c'est 114. Paris de Souva besoin, 38-38-11-11. C'est numéro CRO, 38-30-11-11. C'est numéro de la police de Carrefour. Sous victime, n'importe quelle violence, sous n'importe forme. Relais OPC, Office Protection Citoyenne, mettre Renan Edoville, c'est menti 7 fois, 77 fois, des papes lagués au Poucon. Étoile 293. Étoile, on peut s'accompagner. Si vous avez un problème d'eau, si vous avez un bâtiment, je ne dis pas dans 59-59. Mais pas oublier de payer Bordeaux. Soubral Jérémy, Soubral Lagonav, dans bateau, toujours songer numéro Semana 87-22. Mais attention, si vous suspectez n'importe qui, qui est impliqué dans n'importe Zach, toujours collaborer avec la police, toujours porter coller avec des CPJ 122, 122. Mais attention, question je vais bouche pas finir. Faut que je vais bouche parler. Toute gang, tout côté, tout le monde qui est illégal, tout le monde qui a mariné complot, secrétaire d'État, sécurité publique, 46-49-20. Je dis à ce vendredi, déjà bon week-end, tout le monde, mais nous connaissons rendez-vous sous qui a pas l'autre côté, c'est Esquina Latina, mais elle descend chaleur, sans problème pour matin, c'est. Si Caribéen, Delma 31, piscine, hôtel, on va passer un bon week-end tout le monde. Déjà, bon week-end, je dis à ce vendredi, rendez-vous avec moi, c'est lundi, si Dieu veut. Mais toujours, veillez côté, ou à mettre pied. Et voilà, en bas, projecteur 4x4 là, nous, ouais, qui côté, n'a pas mis pied, monde qui habitait dans la zone côté, l'hypoco fin fait jouyo, Mackinson, Rémi fait route là pour nous, nous capables, sautis à partir le ça, il fait 5h49, nous t'ai dit là, introduction, et un bon parti dans la capitale là, levé encore dans Blackout, Port-au-Prince qui très loin. De ça, nous assister dans toute grande ville.
ville dans le ça c'est lumière qui éclairait tout espace. Alors que nous cap camper nous positionnons pas au prince et puis nous ouais on côté éclairé on l'autre côté fait noir et ça c'est image pays à jeudi à Mackinson Remy. Merci pour exercice ça avec nous chaque matin, exercice qui permet nous ouais ensemble comment Port-au-Prince réveillé live mais 4x4 là elle pas gain limite hein. Nous a pas continué suivre les pendant week-end là sur page Facebook li Remy et Remy pour nous capable continuer connait comment Port-au-Prince à zone qui sous côté lieu réveillé pour matin guerrier dans niveau nord capitale là situation qui gagne pour avec violence dans cité soleil là li gagne conséquence sur circulation d'ailleurs moun yo éviter passer sur route 9 toute machine qui pral dans nord diriger yo sur route principale la route nationale numéro 1 et conséquence ça c'est gros blocus pour moun qui a fait zone ça. Oui, un pile embouteillage depuis quelques jours là sur route nationale numéro 1 suite à un conflit ça qui éclaté entre plusieurs groupes exam dans commune Cité Soleil, localité Fontaine, hein, c'était depuis mercredi 28 juillet 2021 passé hein, et selon information yo déjà gagné yon dizaine moun qui est mouri, deux machines boulées ak yon motocyclette et gagné plusieurs moun qui plusieurs kay hein qui pillé dans cadre conflit ça qui fait gagner plusieurs moun dans population qui au même couru quitter zone ak famille donc yo aller kay famille ou bien kay zanmi très très loin de zone ça mais pour cela yo qui pas gagné pièce côté pour yo aller yo était obligé et yo même ran yo dans une autre localité qui c'est Vaudreuil et là gagné quantité monde qui a vive qui courir quitter zone localité Fontaine à cause conflit ça et selon information nous disposer gagné il y a un total 132 monde qui trouvé yo dans zone ça Vaudreuil qui courir quitter la caillou parmi yo gagné 48 grand monde 40 filles 8 garçons gagné 84 timoun 67 timoun qui gagné de 3 arrivé 17 ans et 17 timoun qui sorti 0 arrivé 2 ans donc qui ont même couru quitter la caillou pour aller chouer là dans zone Vaudreuil donc n'attendez à autorité yo pour voyager garder moun sa yo et la police nationale d'Haïti et pour fond Jean pour mettre la paix dans commune Cité Soleil précisément zone Fontaine côté conflit entre plusieurs groupes bandits la cause gagné déjà une dizaine moun qui mouri en pile là-dedans yo c'est présumé bandi qui mouri dans bataille mais gagné population civile là qui ont même obligé courir quitter la caillou Pierre Renard et ses conséquences insécurité sanitaire tout alors que nous toujours pour sortir dans corona virus là danger toujours là même les communications officielles yo sur évolution maladie a réduit en pile cochon nous yo en danger guerrier yon maladie fièvre cochon envahi la caille voisin ça qui représentait une véritable menace pour cochon nous déjà en Haïti. Non, oui, une véritable menace en attendant autorité yo dans ministère de l'agriculture. L'autre point d'actualité à matin, c'est la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif qui ordonné à l'ancienne directrice générale SMCA Esla Magali habitant à tout l'autre ordonnateur yo dans institution ça sorti avril 2017 rêvé septembre même année pour remettre l'état haïtien yon valeur 38 millions goudes qui pat dépensé suivant normes comptabilité publique la cour des comptes yon l'autre côté sorti tout yon arrêt débat contre majori Alexandre Brunache ancien responsable consulat haïtia dans Boston aux États-Unis pour gestion li sorti décembre 2012 rivé février 2015 et puis sorti mois mai 2016
2016, rivé juin 2017, li condamné, selon Debessa, pour remettre l'État haïtien $15,940 américains. Et puis, toujours Kimbé et bien Lio a toujours été hypothéqué. Quant à ancien magistrat Renaud Dano, bénéficié d'un certificat d'écharge, mais nommé la cour pour gestion pendant l'été occupé fonction. Ça sorti les mêmes périodes de janvier 2016, rivé mois juin 2017. La cour a tout guerrier ordonné pour lever hypothèque qui était gagné sous bien Lio. Oui, et nous apprenons tout gagner citoyen ça qui c'est Ken Duval, ancien directeur administratif Radio Nationale d'Haïti, sorti période 26 avril 2004, rivé 22 juillet 2004. La cour l'a décidé d'accorder les décharges. Donc, citoyen ça, les mêmes, selon la cour, ont bien géré l'agent l'État. Par rapport à un dossier ça qui est pour avec la directrice générale MCRS, Mme Magali Habitant, gagné plusieurs autres employés encore qui visaient par décision la cour des comptes. Là, est un coup Ralph René, directeur administratif Rosemont Jolicoeur, comptable en chef Jocelyn Borgela, coordonnateur projet avec comptable public Madame Guy Lafleur. Eh bien, ils sont tous concernés par décision ça. Donc, pour y restituer à trésor public une quantité l'argent qui, selon la cour, est mal dépensé. Faut que nous dit la cour qui a pas attendé jeudi là a fait qui opposait citoyen Montes Plaisimé à la Banque Populaire Haïtienne. Oui, c'est jeudi dans salle d'audience 1 dans la cour cassation, alors dans la cour des comptes, et gagné tout l'autre affaire qui a pas gagné pour attendre, et gagné affaire Jude Luc Eude qui opposé à Mairie Carrefour, gagné Jean Aléus et France Patrice avec Madame Frayus Félix qui ont même gagné pour avec Ona, donc ils ont en conflit, gagné Emmanuel Raymond qui a fait ça, gagné pour ligué pour avec Électricité d'Haïti, gagné Vanel Lacroix qui lui-même c'est parti demanderesse là face à parti défendresse là la malela de la police nationale d'Haïti, ministère la justice et sécurité publique l'État haïtien, gagné Willow Joseph et au nom de lui face à ministère économie et finance, gagné David Sonsius police na face à police nationale d'Haïti, ministère la justice et l'État haïtien, gagné James Laurent face à ministère affaires sociales avec l'État haïtien, et Ritolet ou bien Ritodel Cadet face à l'Université l'État d'Haïti, et Madame Marie-Thérèse Nadia Jean-Baptiste face à ministère agriculture et l'État haïtien. Donc tout ça c'est pour jeudi, donc c'est liste affaires administratives, donc arrêt ou abgayen pour prononcer jeudi qui c'est 30 juillet 2021. En pile activité dans la cour des comptes, entre-temps, comment enquête là après poursuivre sous l'en-mort président Jovenel Moïse, j'en ai annoncé l'antitio guerrier. Environ une dizaine de policiers qui étaient fait partie unité spécialisée est en cours 4 teams avec USP placé depuis hier soir jeudi à isolement. C'est sous l'ordre de la direction centrale police et judiciaire des CPJ. D'après une source bon côté institution policier, Sayot est présent dans travail dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet à un moment assassinat président Jovenel Moïse. Non, il faut que nous dit déjà gagné plusieurs autres policiers
Haïti qui est en isolement dans le cadre de dossier ça. Encore Dimitri Erard, Léandre Pierre Haussmann, commissaire divisionnaire Jean Laguelle Civil. Faut que nous disions commissaire gouvernement à Port-au-Prince-là a déjà mandé directeur immigration pour interdire environ une vingtaine policiers qui étaient payants, policiers Sayo qui étaient en mission pour protéger ancien président Jovenel Moïse. Entre-temps, ancien député première circonscription Saint-Marc là dans 50e législature, il dénonçait ingérence communauté internationale là dans affaires politiques internes pays d'Haïti. Le constater façon yo appuyé choix Ariel Henry comme premier ministre après assassinat hier président Jovenel Moïse là, ancien député Samuel d'Haïti plaidé en faveur application article 133 constitution 1987 amendé qui fait exigence yon exécutif qui gagne yon président qui yon premier ministre. Toutefois ancien député a espéré classe politique là ressaisir face à toute chirépite qui existait la mitayo. Reportage depuis Saint-Marc correspondant nous Nixon Denis. Ancien député première circonscription Saint-Macla, agronome Samuel d'Haïti, pône application article 133 constitution 1987 là, qui parlait yon exécutif à deux têtes, c'est-à-dire yon président de la République ak yon chef de gouvernement. Ex-parlementaire, 50e législature a fait connaître, après assassinat président Jovenel Moïse, c'est seulement 10 élus qui étaient dans le Sénat République là, qui capable permettre pays à retourner dans la normalité, puisque yon se co-dépositaire souveraineté national là. C'est le pouvoir exécutif d'Haïti, ça c'est au pouvoir qui est salué par le président qui est le chef de l'État, le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Vous dire, président qui est prérogative lui et premier ministre qui est prérogative, je ne pas monter sur l'autre. Et le statut est là, article 54 pas appliqué parce qu'on va la même là. Donc en quelque sorte, on gagne un président provisoire. On va aller plus loin. Tout le monde qui a une légitimité actuellement, qui est capable de remplacer monsieur Jovenel qui aurait été mémoire qui déjà dit. Tout le monde qui est capable, il y a 10 élus. On n'a pas de mettre pour l'autre côté. Il y a 10 élus qui ont légitimité. Et 10 élus, ça y est, c'est comme dépositaire de la souveraineté. Selon ancien représentant première circonscription Saint-Macla, dans Chambre Basse-là, choix Ariel Henry comme premier ministre PIA, qui fait sous dictée communauté internationale, montrer à clair Haïti en bas tutelle, blanc américain, les souhaiter classe politique là, ressaisie pour suspendre, défendre propre intérêt. Personnel yo. Donc, on tutelle, nous capables de douce pour bon, parce que j'ai vu sous Jovenel, on pourrait faire ça, les États-Unis, Jovenel, ça a été mis fait. Donc, nous sommes tutelle là longtemps. Et ça, c'est payant, faut que nous réfléchissions plus. Parce que, plus gros problème de Ndiaye Nixon, c'est que la classe politique, hein, surtout, et classe politique de l'opposition, de particulier, certainement notre vie, président, pour, et Jovenel, mon avis, c'est que le VP, quand on est en train de noter de grands pour que, et bien, après Jovenel, mais qui ça nous prévoit. Donc, pour tout le chien, chaque fois, on a pris les balles le jour que Jovenel allait, il mourit. Immédiatement, opposition de Chita. Bon, moi, j'ai pris l'aide. Bon, on change partie de l'opposition qui proposait sénateur Lambert. Pour moi, qui choisit avec la CK, le proposé Lambert. Il avait là, bon, t'as pu. Entre au groupe de l'opposition, plus le pouvoir, qui est coordonnateur, l'île de Balthazar, il dit que c'est Lambert qui doit résider. Mais là, j'ai des gens qui ont fait celui-là. Non. Ancien parlementaire qui n'a pas caché déception face à ingérence communauté internationale là, nos affaires. Politique interne pays d'Haïti dit espérer dirigeants politiques rentrer dans conscience établir un plan durable qui bénéfique pour population haïtienne. Nixon Denis depuis Saint-Marc pour Radio Caraïbe FM. L'actualité politique là toujours parti politique ak membre dans société civile la cap discuter en tuyau pour yver jeune yon large consensus sous gouvernance l'état pendant période de transition déjà entendu son pile point dans cadre consensus ça et là nous t'a capacité dirigeant parti politique Haïti en action ancien sénateur Yuri la Tortue qui fait qu'on ait un pile espoir pour acteur yo t'a débouché sous ça relé l'âge entente là ancien sénateur Latibonite là rappelé tout acteur yo gagnent d'après lui bonne foi pour sauver Haïti qui n'a yon impasse compliqué en côté Yuri la Tortue dirigeant parti politique Haïti en action l'était dans micro Michel Adrien pendant arriver vraiment bagarre ensemble.
que ce soit les forces politiques ou bien les forces de la société civile. Nous réunis, nous gardons plusieurs propositions qui étaient faites déjà, parmi lesquelles le protocole d'entente qui était déjà lui-même proposé au Premier ministre et à un président provisoire et d'autres qui peuvent proposer. C'est ça que nous avons gardé pour nous voir comment pour nous aboutir à une solution acceptable par toutes les parties. Dans ce sens-là, il y a plusieurs fois que nous réunis. Nous réunis également toi avec les civils là, partie des signataires, chaque partie signataire. Et moi, je crois que nous avons chance à gagner, parce que ça nous dit, c'est Haïti qui nous le vend. C'est pas par le fait qu'on est doué à participer dans nos gouvernements, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on va trouver pour Haïti pour que étape ça, côté que nous voyons l'action, l'autre orientation à pays ça, côté étape ça, côté que faut prisonnier politique la guerre, faut que vous soyez lancé, faut que bon l'autre CEP, faut que vous dites de cordure. Donc, tout ceci pour nous amener à un processus d'élection inclusive. Donc, nous pensons que faut que nous arrivions à entendre nous sur ça pour Haïti. Secteur de bonne foi, faut ou maintenant qu'on nous avec l'opposition qui est plurielle, les secteurs de la gauche comme de la droite, en société civile qui a une sensibilité partout, qui est difficile pour que nous arrivions et puis immédiatement que nous entendions, même si nous avons même idéologie, même façon nous avons un pays, nous avons une étape difficile. Donc dans ce sens, moi je crois que tout fait preuve de bonne volonté. La seule chose que nous dit, nous n'avons pas fait la révolution, donc il faut un consensus. Et nous déjà joignons des points d'accord. Il faut un exécutif bicéphale, comme l'indique la Constitution, un exécutif qui a guéri, un président, un premier ministre. Et je pense que ça a mené en pile discussion pour que nous t'entendions, puisque les gens ont une tendance à parler de monocéphale. La deuxième chose, que moi, je crois que je dis, la solution doit être consensuelle. Ça veut dire que pas quelqu'un qui a imposé une solution. Et solution, ça faut tenir compte de tous les acteurs. Maintenant, c'est le mécanisme de choix, comme on a fait. Est-ce que c'est pas un grand consensus? Est-ce que c'est pas des mécanismes à la base? Maintenant, moi, je crois que c'est ça, il y a regardé. Mais pendant ce temps, pas oublier, t'es un protocole d'entente qui lui-même, t'es un temps, fait choix. Et que, je vous dis à l'Ichita pour le gars avec l'autre mouillo. Mais, eux-mêmes, yo gagné une solution que vous proposez. Tandis que, il y a d'autres qui restent capables de des mécanismes. Moi, je pense qu'il y a une bonne volonté qu'à être pour que nous arrivions dans une solution consensuelle, parce que ça qu'il a, c'est la continuité. Le gouvernement qu'il a, qui n'a pas manifesté volonté populaire là. Donc, c'est peut-être ça qu'on dit. Faut nous arriver là, parce que c'est avec ça et ça seulement que nous allons arriver à mettre le peuple là dans une nouvelle organisation. Il y a un protocole d'entente, certes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le protocole salarié qui est capable d'amender? Sénateur Patrice Dumont, bon, côté parti, l'appuyer jusqu'à 100% des mains. Organisation dans société civile la parti politique yo tan men yo façon pour arriver joindre une solution à crise plusieurs dimensions ça à travers un accord politique pour gérer transition sénateur a qui dénoncé plus loin ça les caractères illégal démarche collègue li Joseph Lambert initié pour le David président provisoire pays sénateur le sacré sénat républicain t'a dû plutôt gagner intérêt fait partie dans chercher joindre dans niveau gouvernement réagit d'ailleurs nous apprenons déjà gagner rencontre qui fait dans ministère agriculture pour capable garder qui réaction hein il y a pas gagné puisque États-Unis qui plus loin nous là donc eux même yo déjà interdit tout produit qui fait avec viande cochon rentrer sur territoire la caillou mais pas bon ici autorité yo pourquoi dit ça qu'a fait pourquoi réagit en concertation selon information nous gagnons, mais pour parler de maladie en Pierre Renel, nous allons recevoir docteur Michel Chancy qui lui-même c'est ancien secrétaire d'État en production animale, donc qui connaît secteur là, qui a parlé nous de maladie, hein. Il va pas parler nous comme autorité dans le ministère de l'agriculture mais comme un monde qui connaît secteur là et qui connaît maladie ça. Docteur Michel Chancy, bonjour. Bonjour, bonjour et merci pour l'invitation. Moi saluer tout auditeur radio. Oui, donc là on a parlé de peste porcine, de fièvre cochon, qui ça lié exactement? Bon, nous connaissons plusieurs maladies. Là on a parlé de peste porcine africaine. C'est un autre microbe qui était déjà sous Iléa dans l'année 78. Qui est rentré Saint-Domingue et qui après ça a envahi Haïti. C'est maladie ça qui a provoqué décision pour tuer tout cochon qui ni sous Haïti ni République Dominicaine. C'était gouvernement américain, canadien,
avec Mexicains qui te prennent décision et financer abattage cochon yo, parce que yo même te voulait protéger cochon la caillou. Ça crivé, c'est que moi je dis qu'il y a plusieurs maladies. Il y a une peste porcine classique qui déjà dans le pays a avec Saint-Domingue, qui a une maladie rincasse, c'est tout. Mais deux maladies, ça y a un vaccin pour capable de protéger pour ne pas prendre cochon. Mais peste porcine africaine, lui-même, il n'a pas un vaccin. Et côté le passé, il n'a pas un vaccin, il n'a pas un remède, et il est beaucoup plus grave, il touille beaucoup plus cochon. Son maladie qui existait dans pays Afrique, dans pays Asie, avec en Europe, tout. Et dans pays côté maladie naturelle, c'est une maladie qui est contrôlée avec des mesures d'hygiène. C'est pas un microbe qui attaque moun ni aucun autre bête que cochon, avec bête qui n'a même famille avec cochon tant que sanglier, qui fait li pas représenter aucun danger dans la santé publique, parce que li pas affecté moun, même genre peste porcine pas affecté moun non plus, peste porcine classique, mais li c'est un gros danger économique parce que li touye en pile cochon et li pas gen aucune façon pour capable protéger yo, ni pas gen vaccin ni pas gen médicament. Et face à danger maladie ça représenté pour nous, puisque il est déjà la caille voisin, en attendant que nous gagnions communication officielle de ministère santé publique ou de ministère agriculture surtout, qui comportement nous t'a dû gagner. Bon, et certainement ministère agriculture pral annoncer jodia, parce que nous-mêmes dans l'université Kiskeya, nous en contact avec autorité yo, nous connaissons pral et yo déjà pris des dispositions selon ça me connaît pour éviter pour que aucun produit qui fait à cochon ni aucun cochon vivant pas passer sous frontière. Mais nous connaissons une situation pays noir et lié gens nous gain difficulté pour nous faire respecter un série de bagaille, et c'est ça qui est passé tout dans année 78 côté yo t'ai même pris décision tuer tout cochon qui bord frontière ni sous bord Saint-Domingue ni sous bord Haïti pour éviter que microbe là pas joindre cochon pour le capable continuer gailler. Et malgré tout, malgré abattage là qui était fait, maladie a été rentrée à Haïti, elle était envahie pays là. Donc nous avons une situation très difficile parce que ça qui est passé en 78, il est capable de passer encore. Ça veut dire que il est capable d'affecter et déjà cochon nous qu'on mourit, et dernièrement il y a plusieurs cochons qui mourit probablement maladie peste porcine classique ou bien maladie de chien. Pas grand rien qui dit que le poko arrive à Haïti parce que aucun microbe pas besoin ni passeport ni visa pour y rentrer, donc il n'est pas impossible de le déjà Haïti. Et ça veut dire tout que décision qui prend pour contrôler lui, c'est pas des décisions qui facile, parce que j'aimerais dire là pas gagner ni vaccin ni remède contre maladie ça. Donc nous gagnons un gros problème et c'est un gros danger qui pendait sous activité élevage cochon dans pays là. Et gagne un pile monde qui a perdu un pile cochon, et nous pensons faut nous protéger avec autorité dans toute règle, tout règlement et toutes mesures qui pourraient le prendre pour éviter que le gars ait plus. Et si il n'est pas représenté un danger pour moun, pour qui ça touye tout cochon? C'est pour qui ça interdit viande yo arriver sur territoire pays yo tant qu'on ça dit aux États-Unis ou bien tout l'autre produit qui fait avec viande cochon? Pour qui ça? C'est parce que microbe là li capable transmettre de yon cochon à l'autre à partir de reste cochon. D'ailleurs, en 78, yo pensaient que maladie était arrivée Saint-Domingue, et c'est peut-être même ça qui arrive encore, à cause de produits ça. Yo. Et en 78, yo pensaient que maladie était rentrée avec un avion, côté te gagné probablement jambon, bien reste un cochon, puis yo te baille dans l'avion, yo jeté fatra ça au aéroport, et de là, gagné cochon kal nan fatra. Yo prend reste viande ça et puis yo même yo tout prend maladie. Donc éviter viande cochon ou bien cochon vivant traversé, c'est pour protéger élevage cochon. Ça veut dire pour cochon pas prend maladie. Et c'est plus que ça, si nous ca songer te gon époque le Saint-Domingue, yo te kon flité machine
haïtien te kon trouve ça très drôle, mais en fait c'est pour empêcher que par exemple si on machine au caoutchouc machine roulé sous on water cochon, eh bien water cochon il doit gagner germe maladie et puis machine en roulé, et c'est comme ça que il va porter germe nan sorti non côté rivé non l'autre côté, et même moun capable porter en bas soulier yo si yo pile on water cochon qui te gagné et maladie a, eh bien ou même on vétérinaire capable porter maladie par l'autre cochon. Donc c'est peut-être ça que toute mesure ça yo prend pour éviter que élevage, l'autre élevage vienne attaquer. Aux États-Unis, au Canada, élevage cochon, c'est une plus grosse activité économique qui est, c'est un pile milliard de dollars qui investit dans les entreprises. Donc, nous, c'est protéger richesse, yo, parce que si maladie rentre aux États-Unis, yo même yo pas fait ni deux ni trois, yo pral commencer tout les cochons côté maladie aye, et ça c'est un pillage et gouvernement rien pour lui compenser, pour lui payer moun sa yo tout cochon pour aider pour bagaille. Et dans moment nous côté nouye côté crise économique tout côté, c'est dernier bagaille que moun t'a besoin actuellement gagner en pile cas dans pays Europe avec l'Asie. Mais c'est une maladie naturelle qui cyclique, qui existait à l'état naturel, mais élevage cochon encouragé et style de maladie ça yo. Le yote abat cochon yo nan année 1978 yo en raison de même maladie ça, nous te ouais ça te affaibli économie, est-ce que l'économie paysan yo surtout, est-ce que je dis à c'est même menace là, nous voulons demander qui sa cochon yo représenté je dis à dans l'économie paysan yo. Cochon représenté en pile dans l'économie paysan, mais il n'est pas représenté, ça l'était représenté avant 78. Longtemps, dans l'année 70, cochon c'était premier bien de consommation pays d'Haïti. Et à cause justement de maladie ça, eh bien, il était détruit tout cochon yo. Le peuplement l'y fait, mais il n'y a jamais fait un niveau côté le déye. Et race cochon qui devine peuplé après ça, il n'est pas aussi facile pour lever yo, même genre avec cochon créole. Ce qui fait que cochon, depuis première fois maladie a été passé, il perd du place li dans l'économie, mais il retient une activité quand même importante parce que le peuplement l'y fait quand même, tant bien que mal. Ce qui fait que, je vous dis, n'importe paysan, ou commander sa cochon représente la douce son bagaille qui est très important, cochon très prolifique, mais pas gain autant de monde qui gagne cochon que avant première épidémie peste porcine africaine dans l'année 78. Ce qui fait que l'irrité est important et qu'on y a la qui décision qui prend, là, ça a plusieurs choix. Il y a des pays, ou pays côté maladie là, de façon naturelle, côté si cochon sauvage avec sanglier qui gagne maladie ça, yo pas qu'à tuer toute bête ça yo. Donc yo vivent avec maladie ya, c'est-à-dire que moun qui fait élevage cochon dans zone ça yo, tout cochon fermé dans porcherie, yo pas qu'à